Vous sortiez? Je descendais. On n'entre pas en bas. Je viens d'en haut. Je pars. Adieu. Vous aussi. Où allez-vous? Montons. Levez la tête. Montons. Adieu donc. Vous descendez? Restez plutôt. J'emporte ce qu'il faut. Adieu. Adieu. Prenez garde. On ne voit plus rien dans Londres. Ignorez-moi. Ce qui étonne à présent. Majesté. Silence. Elle plaide. Qui elle est? Non, qui elle a été. Adieu. D'une main, elle donne. Elle s'exclame. De l'autre, elle le nie. Oh, ma petite Angleterre, elle retombe sur vous. Petits enfants, je vous adore. Georges. Édouard. Il y a non loin de Londres des troupeaux malades et ces grands peines pour les commerçants qui négocient. Édouard. Depuis quelques années, l'air souffle la mauvaise graine. Laquelle a fait baisser, Georges, le prix des animaux stables. Croyez-moi. Le troupeau la mange. Anne Dexter. Et développe des malformations. 70 agneaux, des cerfs, des dards, auraient contaminé la Tamise, ont été retrouvés morts. Tout est à rendre. Nos brebis n'en graissent plus. Cette tempête, les chiens qui jouaient d'habitude se morfondent. Et le pire, et les plus gloutons refusent tous les aliments. Croyez-moi, Anne Dexter. Georges. Je veux être damnée si la paix règne un jour sur... notre île. Croyez-moi, Anne Dexter, cette tempête est la pire que nous ayons jamais vue depuis des années. Avez-vous marché vers le nord, face contre le vent? J'aurais parié 2 sous que la reine Elisabeth allait être emportée comme un flocon dans l'espace. Le vent s'acharne toujours sur sa majesté. Il lui en veut aussi abusivement qu'un ennemi. Rappelez-vous, notre dernière chasse au poule d'eau. J'ai bien cru qu'il allait se mettre à tournoyer comme nos volailles au-dessus des marécages. Mais à quelle hauteur planaient les faucons de votre frère? Aussi, avec quelle vigilance Richard observe ces oiseaux? Comme s'ils cherchaient lui-même à s'emparer de leur mécanique pour pouvoir, en chair et en os, s'élever vers le ciel. Lui qui a du mal à faire 2 pas sans claudiquer. Non, Dexter, ce n'est pas cette infirmité qui me fait rire. Quand Richard m'accoste au vu de tout le monde, ce sont des minutes infernales où je m'efforce de sourire. Oh, je ne voudrais pas le vexer, plus que la nature ne s'en charge. Même si ce qu'il dit est aussi boiteux que sa personne. Pour cette raison, j'attends toujours qu'il ait fait un pas vers l'est avant de lui tourner le dos et de m'en aller vers l'ouest. Encore que le globe me paraisse bien minuscule à force de nous retrouver aussi souvent face à face. Oh, ce n'est pas tant Richard qui m'assaille que leur majesté peut chambranler par mes efforts à repousser ses mauvaises intentions et qui font aller leur langue contre ma réputation. Elles vont jusqu'à s'accorder dans une vaste opinion voulant que mes agir aient pour effet de l'acclamer. Vous seule, Anne Dexter, n'avez encore émis de diffamation à mon sujet. Les reines, à qui je cite votre approbation, l'autre, répondent que vos pensées sont maladives, puis elles vont par 2, s'attaquant l'une l'autre, bien qu'en concorde sur le pourquoi de leurs attaques.
Nous sommes unis, vous et moi. Dans l'anarchie des ombrages, vous, pour les mauvais sentiments que vous inspirez dans cette maison, et moi, pour mes humeurs trop promptes à se continuer charmant, à encourager Richard. Elles sont persuadées qu'il convoite le trône. Et que moi, devenue sa femme, je serai reine d'Angleterre. Je me rassure. Le roi Édouard vit toujours. Encore qu'il soit entré ce matin dans une nouvelle phase d'agonie. Georges, quant à lui, cet autre frère que vous devriez perdre pour que j'accède au règne. Georges Don est toujours en vie. Mais voyez jusqu'où leurs deux morts pourraient me conduire. Édouard et Georges disparus, tomberaient aussitôt. Le règne m'effraie, si vous saviez. Plus encore que l'idée d'épouser Richard, lequel n'est pas si brutal qu'infirme, et infirme à un degré moindre que ce qu'en dit votre famille. Peu d'entre nous ont réellement vu ces fameuses dents poussées dans sa mâchoire à peine nagée de 2 heures. Certains vont jusqu'à dire qu'il s'est revenu au monde pour nous mordre. Soyez franche. Richard vous a-t-il déjà mordu? Il mord le bœuf. Quoi de plus naturel quand on se souvient tenez que certains rois, munis d'estomac pourtant plus fragile que le sien, ont pour quel médium c'est quel appétit marcher leurs épouses. Non, Madame Dexter, l'idée de régner sur cette île m'est insupportable. Le terrorisme, c'est un mauvais rêve. La reine Élisabeth a donné naissance à 2 enfants qui devront hériter du trône. Ces naissances me soulageraient si le climat qui prévaut dans ce palais ne ressemblait pas tant à celui qui sévit dans Londres. Jamais leur majesté n'ont montré tant d'agitation. Il me suffit de les croiser au bas d'un escalier pour me sentir aussi indésirable que votre frère Richard en personne. Et si je ferme les yeux, je vois leurs lèvres qui remuent. Des reproches que j'entends comme l'écume près de moi la nuit. Quand j'essaie de me reposer du jour, et je les vois monter. Trône par-dessus trône, au beau milieu des cris. Prenez garde! Anne Warwick. Il est capable de tout pour vous conquérir. Des promenades en forêt. Des courses à cheval. Après les chevaux, ce seront des lacs et puis la Tamise. Ensuite, il vous offrira des navires, d'énormes bâtiments. Il dira que le commerce et l'échange vous appartiennent. Il vous offrira l'Irlande, les métaux de la terre, le sommet des banquises, le commencement des étoiles qu'elles proviennent de l'Est, de l'Ouest ou du Nord. Et le Sud. Quel Sud ? Le sud établi du globe. Il n'y a pas de sud! L'Angleterre est au nord! Oh, la végétation du nord, le climat blanc de l'Empire! Ah, Warwick! Combien de fois vous ai-je déjà répété de ne pas vous promener ainsi la bouche ouverte? Redresse-toi, sœur de Warwick. Élève tes sourcils frêles, mais glorieuses, immuables. Et respire. Les reines t'appellent, tu ne les entends pas. Peut-être, tu croyais que c'était le vent. As-tu vu le temps qu'il fait dans Londres? Des bruits entremêlés qui me donnent tant à craindre que je cherche un refuge pour le repos de ces enfants. Oh, il faut me les confier. Je serai bonne et pleine de soins. Si c'est pour les donner à Richard! Je l'ai entendue. Elle parle.
sœur de Warwick. Anne Dexter, elle aurait retrouvé la parole pour nous mépriser à haute voix en nous tenant pour des intruses. Et elle s'acharnerait à t'humilier par des diffamations qui voudraient bien nous faire oublier que chaque membre de sa famille est estropié, muet ou manchot. Pourtant, sœur de Warwick, je l'ai entendu l'autre soir. Et j'ai bien vu l'air épouvanté de la duchesse d'York. C'est elle, j'en suis sûre, qui lui interdit de parler. Et d'ailleurs, je ne serais qu'à moitié étonnée si votre mari, Georges... Georges ! Mais il parlerait depuis ce temps qu'on en rêve. Le futur roi d'Angleterre me dirait... Comme vous êtes ambitieuse, Isabelle. Vous aviez le goût de la monarchie. Et vous m'avez épousée dans le silence. En sachant que nos lévriers étaient plus brillants que moi. Et grâce à moi, vous montez, Isabelle. Vous montez à l'égal des reines. Non, sœur de Warwick, Georges et Anne Dexter, alors qu'ils avaient ton âge, ont descendu la Tamise jusqu'à l'estuaire. Dieu sait ce qui a pu se produire pour qu'à leur retour, aux questions qu'on leur a posées, il ne soit jamais plus sorti aucun son de leur bouche. Ils avaient faim ce jour-là sur le rivage à marée basse et ils ont dévoré le silence. Les bords de la Tamise sont-ils si loin de Londres qu'on puisse y rencontrer le silence et le mettre à l'intérieur de soi? Il faut un jour complet pour s'y rendre. Les reines y vont le vendredi. J'ai déjà fait 3 fois le voyage. Nous partons tôt le matin, sans bruit, à l'insu des rois, habillés de vieux manteaux, nos visages cachés sous des voiles. Là-bas, le ciel et l'horizon se confondent. Nous nous cachons près des pierres et nous pouvons les voir. Presque d'aussi près que je te vois, les pèlerins qui accostent, qui s'effondrent, leurs vêtements trempés, ils émergent du brouillard et s'écroulent, un à un, parmi les algues. La pauvreté nous vient du bout du monde. Ce sont eux, les Espagnols, qui apportent la misère sur nos côtes, qui viennent embrasser le sable et se rouler juste là, presque à nos pieds. Ce jour... où Georges et Anne Dexter s'étaient rendus sur le rivage, ce sont dans les pèlerins qui les ont surpris et qui ont rapporté ce qu'ils avaient pu voir. Pourquoi a-t-on séquestré Georges en bas dans les entrepôts? Pourquoi a-t-on puni sa sœur? Elle avait de belles mains, je suppose. Oui, il faudrait lui en acheter. Édouard agonisant, Georges va régner. Et moi, devenue reine, je ferai entrer de l'acier. Pour économiser le bronze, je lui donnerai des mains d'acier. À condition que Georges monte sur le trône. Mais s'il meurt, sœur de Warwick, j'entre dans la chambre d'Edouard et je les vois tous, les archevêques, les écuyers, et je les entends. Ils n'ont de mots que pour commenter le bien fondé d'une résolution de Richard visant à supprimer Georges. Mais si Georges était déjà mort... Georges? On l'aurait déjà tué? Oh, il suffirait d'en propager la nouvelle pour que ces assassins renoncent à le tuer. Richard n'a convoqué les assassins que pour le milieu de la nuit. Oh, pour le milieu de la nuit. Où allez-vous? En bas, aux entrepôts. Ils seront plus en sécurité qu'ici, dans ce parquet, où les murs ont
ont des yeux qui nous regardent, des oreilles qui nous écoutent. Et si je t'en crois, sœur de Warwick, il pourrait bien se mettre à nous parler. Adieu, mon roi, mon dragon d'espérance. Adieu, mon seul échelon. Tu tournes à la terre par le chemin de ta vie renversée, sans plus ni moins d'écueil que tu n'en auras traversé. Suis mon droit vers le sommeil, étale au bout de l'horizon, ouvre les yeux, qu'ils s'abreuvent à jamais de la lumière. Descends jusque au puits, le souvenir en toi va naviguer. Coule ainsi ton âme, reflet des eaux bonnes à la soif. Notre vie n'était qu'une ombre découpée sur les dunes. Et nos rêves ont fui loin de nous, au creux des sources. Ah non, oui. Quel était ce grand bas dans l'escalier? Édouard en suprématie, morcelé par la roue de son mal, Édouard notre souverain, notre seigneur et notre tout. Et notre roi Édouard est mort. Ce fut une mort aussi lente que son règne a été bref. Le jour a à peine levé, ses pieds sont morts en premier lieu. Tandis qu'au milieu de sa poitrine, le cœur était la proie d'invisibles animaux en quête de son sang pour nourriture. Peu avant 7 heures, le roi perdit l'une de ses deux mains, laquelle s'est détachée de son bras le plus faible pour rouler jusqu'au pied du lit. 15 ou 20 minutes plus tard, l'œil gauche se répandait en éclats de glace sur la joue grise, se hâtant vers une fin encore incertaine à la reine, vers qui les lèvres asséchées du mourant remuaient. Pourquoi quitter le temps? Pourquoi quitter le temps? Sur ces mots, la bouche de sa majesté mourut, scellant ses lèvres à jamais. Mais voici qu'elle s'ouvre à nouveau. Il en sort de l'écume, des potions, que rejettent l'œsophage et l'estomac et qu'elles n'en peuvent plus le survivre au poison du sang. Toutes les veines et vaisseaux expirent tour à tour, et aux alentours de 9 heures se transforment en barrage, faisant dévier le mal, mal qui, pour ne pas mourir, doit se réfugier vers le front. Un front déjà noirci par le dessein des espérances, où le souhait d'une impossible guérison veut s'énoncer. 10 heures, il souffre. 11 heures, il souffre. Ô roi, lui dit la reine, vous ne mourrez qu'en apparence. Mais les mensonges d'Élisabeth sont une cure insuffisante. Et plutôt que d'adoucir le mal dont souffre le mort, les larmes de la reine en tombant sur lui accentuent l'affection et prolonge sur la demie de 11 heures les restes d'une vie qui se déchire. Cependant que le roi gémit, que l'inconnu l'épouvante. 5:30. Tu as peur de l'inconnu? Mais que feras-tu dans l'au-delà? Lui dit en pleurant la reine. 4 minutes s'écoulent. Et sur le coup de 12:00, ses cheveux tombent. 12:00 sonne, majesté! Ordre du roi! Il faut fuir l'oubli! Et l'on voit que le corps est un bien vaste univers. Cependant que la lune attire à ses rayons les âmes,
et que les archevêques et les écuyers murmurent. Dieu veuille bénir cette âme, mais préserve la nôtre de l'enfer que nous impose à présent la reine Élisabeth. Lieu d'achalandage. Il y a là des intendants, des gens que je n'ai jamais vus, bruyants, désordonnés. Je ne suis peut-être à leurs yeux qu'une épouse de marchand, comme ces écornifleuses satisfaites de leur rang et qui émettent dans ma propre chambre les opinions qu'elles veulent. Mais si le roi retrouve la santé, ils sauront demain qui je suis. Et ils devront s'incliner devant ma force, mon aplomb et ma simplicité dans le courage. Il est vrai qu'en attendant, nul ne semble tenir compte de l'état surnaturel dans lequel je me trouve. J'ai dû crier pour les faire taire. Tous m'ont regardé d'un air ahuri. Et puis dans le silence, surprise, cette masse d'inertie qui gisait sous nos yeux s'aligne d'un soubresaut et veut qu'on rouvre le testament. Oh, je croyais comme plusieurs qu'il était bel et bien mort, ayant réussi à lui faire entendre que c'était moi qui partais au-delà de la terre pour toujours. Moi, plutôt que lui. Et j'avais déjà dit un nombre infini d'adieux à tout ce que j'acceptais de perdre, du plus petit jusqu'au grand. Mes ornements simples ou plus évolués, mes lévriers qui fussent à l'orée des forêts. Puis les adieux de majesté, adieux d'usage, à tout ce que je préférais, les sources, les oiseaux, la terre, la nuit, les peuples de la mer. Ah non, oui! Quel était ce branle-bas dans les escaliers? Des écuyers sont venus livrer un arrivage de Malvoisie. Ils ne sont pas les mercuriers? Quel jour sommes-nous? Jeudi, jour d'élévation. Marguerite, quel jour sommes-nous? Jour d'élévation. Mais les arrivages, ils n'ont pu venir que ce matin. Tout nous arrive en retard à cause du temps qu'il fait. Neige-t-il vraiment ou ai-je rêvé? Il neige, Majesté. Vous avez pu le constater vous-même au sortir de l'abbaye. C'est enseveli, c'est vrai. Il neige, je vous l'ai dit. Oui, oh, mais voilà pourquoi je me maintiens stable, moi, debout, en équilibre, dans l'air privé de sentiments. Tout ça me nuise, mais je ne sens aucun vertige. Et vous êtes là comme si vous alliez fondre sous mes yeux. Et j'ai de toi, Marguerite, l'image d'une reine en peinture. Bel aperçu de toi-même. Tu commences à quitter le trône. Pauvre Marguerite, mon trône n'est pas encore vacant, car s'il l'était, tu t'y serais déjà assise. Pauvre Élisabeth, désormais le chagrin t'assiège et il va se coucher avec toi dans ton lit. Pauvre Marguerite, le chagrin à toi t'arrache les yeux tous les matins quand tu te regardes dans ton miroir. Mais qui vois-je? Mon reflet pleure en me regardant, car il sait, lui, le vrai, que je ne suis pas fausse. Tu as toujours méprisé notre désespoir et notre chagrin. Tous les chagrins du monde sont peu de choses en comparaison du mien. Les famines, les fléaux de la peste sont des chagrins visibles pour l'ensemble des peuples. Mon chagrin à moi, c'est l'ennui. Mais tu es à Londres? Pauvre Élisabeth! Et dans quelle région veux-tu que je sois? Et que sais-je? Anjou? Ou l'Écosse? Ouh, l'Asie de tes projets pour lesquels tu nous adressais tes adieux hier au soir. De longs adieux que nous avons écoutés debout et à fond. Nous avons souffert jusqu'à te demander de boucler la boucle, mais au lieu de conclure, tu t'es reprise depuis le début. À Norwick, je n'ai pas rêvé cela. Pauvre Élisabeth! Les vents avaient déjà commencé de s'élever dans Londres quand tu as dit toi-même que rester valait mieux que partir. J'ai dit cela? En me voyant, oui, tu as dit cela. Et tu m'as traité
technide et le cornupède. Cornupède. Cornupède, orale non anglaise, hydroméduse et pécor. Oh, alors oui, est-ce à vous que j'ai confié mes enfants? Non, Majesté, ils sont dans les bras de ma sœur. Et où est-elle? Si Richard va me les prendre, je veux qu'il les arrache à moi. Elle est descendue aux entrepôts au moment où j'ai appris que le roi était mort. Tu as dit que le roi... Je pensais qu'il était mort. Mais il vit, Edouard est en vie. Il consent à l'octroi de bénéfices. Les Woodville, moi la première, sont en train d'hériter. Le trésor d'Angleterre revient de droit à l'Angleterre. À l'Angleterre des Meadows. Car tu es née dans les Meadows et tu proviens des bergeries. Bergère, hein, simplette. Mais native de notre île, où les chèvres sont anglaises, où les agneaux sont anglais, où les fileuses sont anglaises, où les pâturages sont anglais, où les comtés sont anglais, où les rues sont anglaises, où les journées sont anglaises, où le ciel, la neige, les oiseaux, les outils, la monnaie, les... Ah non, oui. Vous verrez à la ristourne nos arrivages. Oui, Majesté. J'étais venue pour quelque chose. Vos enfants. Majesté. Ah, mes enfants. Gardez-les pas. Et venez me prévenir s'il y a du nouveau chez le roi. C'est vite. Richard doit déjà les apprêter pour les manger. Les manger? Je ne pense pas qu'il veuille les manger. Sinon qu'il ne compte pas sur moi pour les lui donner. Richard vous les a donc demandés? Oui, mais pas pour les cuire. Richard a juridiction sur la fournaise dans la cave. Il peut en moins d'une heure attiser un feu capable de cuire la terre. Cette fournaise est bien si énorme. À ce point qu'on peut s'y promener à loisir. Ah si, vous l'avez vu? Vous y allez quelquefois? Plus souvent qu'on pense, pour me distraire de vous. Je déteste si bien mon sort qu'une fournaise me désaltère. Mais où allez-vous? Maintenant? J'ai résolu de quitter Londres. Je m'en vais aujourd'hui. Quitter Londres? Pour toujours? Quoi? Par un froid pareil? Considérez que je suis déjà loin. Ici, la vie ne vaut rien. Mais plusieurs fois, vous nous aviez dit que vous partiez? Jamais mes adieux n'ont été aussi sincères. Adieu donc. Qu'importe si vous restez? Hélas non! Je pars. J'ai trop longtemps souffert. Je m'exile en France, dans ce comté d'Anjou, où j'étais reine en monarchie. N'oubliez pas d'aller embrasser ma sœur. Oh mon Dieu, comme j'hésite! Elle n'est pas le meilleur des souvenirs que j'emporte. Elle vous a fait quelque chose? Laissons cela, à quoi bon? Elle me parlait de vous hier encore, avec obligeance. Serait-elle obligeante parfois? Et qu'est-ce que ce mot veut dire? Elle ne passe pas son temps à se répandre, hein. Diffamation? Et en quoi elle se répand? En sarcasme? Et contre qui? Elle a simplement dit que vous n'étiez pas très heureuse. Le bel exemple pour montrer l'effondrement du sort, et qui récolte son bonheur à citer le désespoir d'autrui. Si vous saviez pourtant... Taisez-vous donc, je sais tout. Comme ma sœur? Qui concurrente en haut lieu de monarchie? Quoi de l'autre, puisque ce domaine est devenu le vôtre? Je vous ai ouvert. Pour que j'en sorte? Ma foi, vous me parlez comme si vous m'offriez le monde. Il ne me resterait plus qu'à vous dire merci pour me sentir totalement humiliée. Moi qui incarnais la fierté, lorsque l'Angleterre et l'Écosse étaient à genoux devant moi. Adieu. Ce souvenir qui me revient tout à coup me donne envie de n'avoir jamais vu l'Angleterre. Il ne faut pas l'emporter. S'il était aussi simple d'oublier, c'est votre île en entier que j'effacerais de mes tempes. Iriez-vous jusqu'à oublier la joie d'avoir été reine? Grand Dieu, oui!
cet oubli pouvait me consoler de ce qu'une autre jouit du règne à ma place. Laquelle est en train de tout perdre à son tour. Mais quand elle aura tout perdu, tout, y compris ses enfants, je veux qu'elle puisse tout retrouver afin de tout reperdre. Oh, cruauté ! Cruauté ! Est-ce que les Warwick m'ont fait ? Ce sont pourtant les York qui vous ont condamné au bûcher. Le bûcher. Je n'avais jamais été aussi politiquement heureuse. J'étais là suppliante, les mains ouvertes, désireuse qu'on applique les torches de feu sur ma peau. Peine perdue. Je vous le demandais avec trop de passion. Vous avez même songé à m'interdire l'accès de la fournaise. De peur que légalement, j'aille me brûler toute seule. Partez. Cela vaut mieux. Vous avez désobéi à vos propres lois. Je n'avais que 12 ans. Et pourtant, vous avez signé. Avec une encre qui éclaboussait les autres signatures. Ah, je revois vos incroyables W sur mon arrêt de mort. Comme si le nom de Warwick en contenait 1000. Il n'y en avait que 2. Avec ceux de notre sœur, cela faisait déjà trop. Oh oui. Anne et Isabelle, sœur de Warwick, vous avez signé une procuration qui vous mettait en loi de me haïr. Et quand ce matin-là, vous m'avez vu sortir de l'abbaye, vous vous êtes prosterné à genoux en terre dans l'entrée du palais pour me donner le bonjour, alors que vos doigts étaient encore tachés d'encre. Vous m'y avez forcé, je n'étais pas bien fière. Et déjà, vous étiez la plus corrompue de toutes. De pires corruptions sont à venir. Nommez-les. Je ne peux pas les nommer toutes. Celles que vous savez. Richard. Richard. Il m'a demandé de... Demander quoi? De l'épouser. Et j'ai dit oui. Et vous avez dit oui. Comme votre sœur. L'une épouse un âne et l'autre un crapaud. Le beau gouvernement. Au moins, les sujets vont rire. Ma foi, vous me demandez de rester. Mais comment encore des fois tous vos mensonges à Warwick? Vous nous mentez même sur votre âge. J'ai 12 ans. Vous le saviez déjà quand je suis montée sur le trône. J'ai 12 ans, 12, le chiffre 12. Assez. 12 ans. Mon Dieu, oui, je vous crois. Mais vous n'avez pas pu commettre autant de mal en un nombre aussi restreint d'années. Où allez-vous? Je descends. Mais puisque vous partiez... Je vais chercher mes choses. La moitié de ce qu'on trouve aux entrepôts m'appartient. Mais attendez, j'ai dit oui, mais... C'était dans mes rêves. Je ne voyais pas la fin des nuits. Puis... Son éternelle requête. À l'est, à l'ouest, ou que je lui m'arrive de front, alors qu'il me suffisait de consentir à Richard pour sortir mon âme de ses nuits. Sur les Warwick. Georges. Georges. Je l'ai vu. Son sang. Ses yeux. Quoi? Georges. Assassiné. Illusion. Mais puisque je l'ai vu. Soyez calme, il vit. Il est mort. Non! Je te dis qu'il est mort. Tu n'as qu'à descendre pour voir les traces de son sang. Des traces de sang? Alors quelqu'un d'autre l'a tué. Il devait le noyer dans un tonneau de marbre. Non, ils l'ont d'abord saigné, puis mené là, où il s'entrepose le vin. Ce branle-bas dans l'escalier, ce n'était pas les écuyers. Va! Cours dire à Richard qu'ils ont déjà tué Georges! Ah!
Reine. Moi. Reine au centre. Et le monde alentour. Vous les aviez tout à l'heure? Où sont-ils? Qui les surveille? Ma sœur Anne Warwick. Votre sœur Anne. Bien. Anne Warwick. Et non pas votre sœur. Non pas elle. Elle est capable de les porter dans les bras de Richard. Je sais qu'il les a demandés. Je sais qu'il veut les tuer. Tolérance, majesté. Ah mais débrouillez-vous. On en veut à votre mari. On en veut à mes enfants. Ils sont nés depuis un jour à peine. Ça fait 20 fois qu'on les égare. Calamité, majesté. Hein? Je l'ai vu devant moi, comme un fantôme qui met une heure à faire chaque pas. La voilà. Presque. Oh, pitié, non, pas encore. J'ai pris congé d'Edouard pour venir vous adresser un noble, sincère et souverain bonjour. Dieu vous garde. Et bénisse le ciel aux secousses de neige et de vent qui nous affligent. Mes chers Bru, de Warwick, de Woodville, et vous, belle inconnue qui séjournez dans Londres, je vous salue, fidèle compagne, aux oreilles indulgentes, sans qui je serais seule à m'écouter geindre. On a déjà vu des cités entières disparaître du globe. Des voix nous l'avaient prédit. Prédit quoi? La récidive. Et quelle récidive? Celle du déluge. Mais il ne pleut pas, il neige. Il poudroie. Oui, Londres est en voie de disparaître. Londres a disparu. Mais nous sommes visibles. Car nous sommes trop chaudes, hélas. La neige ne dure pas sur nous qui restons toujours là. Tandis que notre île n'est plus qu'un grand voile désertique. Comment se porte sa grâce? Mal. Rien ne sert plus à rien. Nos têtes sont des tourbillons de cristaux inutiles qui veulent sortir de nous comme des épées de lumière. J'ai 99 ans. Et j'ai la peau verte. Je suis venue il y a près d'un siècle en Angleterre avec pour tout écriteau de gloire entre les mains une perle scintillante au bras du lord protecteur de cet empire. Je dominais la cour, perdue dans sa grandeur, étant à la fois lui-même, sa maîtresse et son ombre. J'ai bravé la chrétienté pour lui tenir compagnie. J'ai accouché de Richard parmi mes fils, dont le plus impitoyable des crimes est de n'avoir pas tué mes illusions. Édouard, quant à lui. Oui, il m'attend à son chevet. Vénérable duchesse, adieu. Oui. Édouard jouit de ce privilège d'agoniser. Pour lui, rien ne peut plus attendre. Adieu donc. Anne Warwick, une enfant que j'ai bercée hier encore, comme le temps nous diffuse. Où sont tes beaux yeux purs? Viens me dire ici de quoi te font souffrir les reines. Elles médisent, elles sont si méchantes. Prodigieuse duchesse. Georges, était-il en bas ce matin? Oui, il y était, victorieux des guerres, les yeux posés presque clos sur des fleuves infinis. Il était donc vivant? Autant qu'un astre est vivant. Quelle heure était-il? Mais pourquoi ces questions? Elle délire et tu l'écoutes. Va, ferme ta bouche. Va, va-t'en chez Richard.
m'emmener. Je pars en Chine, vers les capes de l'Asie fabuleuse. Ces enfants verront l'envers du globe, le soleil lui. Les soirs, quelques rides font oublier que tu étais, il y a quelques jours à peine, il me semble, reine d'Angleterre. Je sais de mémoire le nombre de dents qui te restent. Quand t'as tes cheveux, voyons un peu que je les compte. J'ai beau chercher, à peine si j'en trouve 8, à condition de couper l'un et l'autre en 4. Quand t'as tes rides, elles ont fait fuir tous nos oiseaux. Et s'il y en avait la moitié dedans ma face, j'aurais depuis longtemps trouvé sur terre un endroit pour vivre où il fait toujours nuit. C'est parce que j'ai toujours effrayé les vautours qu'ils ne rôdent jamais autour de la charogne que vous êtes toutes. Charogne, moi ? Aujourd'hui peut-être. Même autrefois. Dans le comté d'Anjou, autrefois, j'étais vive et hardie, d'une beauté sans loi, d'un charme sans mesure. Il fallait donc rester en France. Reine en monarchie de comté. Donne-moi ces enfants. Ils n'ont pas de mère. Je les emmène. J'emporte aussi mes bottes, mes semelles et mes chaudrons. Tu as 2 ou 3 chapeaux qui m'appartiennent. Garde-les. Cependant, j'ai repris ma peau de mouton dans ta huche. Mon départ a du bon. J'ai trouvé parmi les busques d'ivoire ce gant de chamois porté par la reine Elinor, morte en 12. Je voudrais bien savoir où est l'autre. On donnerait des fortunes en France pour la paire. Tiens, savais-tu que j'étais archiduchesse? Moi, je l'ignorais. Sur mon brevet d'accession au trône, c'est écrit. Regarde. Archiduchesse. Tu verras dans mon coffre, j'ai laissé quelques bijoux, je n'en porte que les principaux. J'ai pris ce beau vase, ces beaux tissus, ces beaux métaux. Regarde, le chandelier qui a servi à mon baptême, la planisphère de Syracuse. Le bon roi René l'avait reçu du roi Charles Ier d'Anjou, qui la tenait du pape Boniface, qui lui-même l'avait reçu de la maîtresse de Marco Polo. La réhabilitation des sujets et le grand livre des règnes. J'ai droit aux papiers de la monarchie, je les emporte. J'ai pris mes poudres, mes huiles, mes oripeaux, mes draps. Je pourrais loger en chemin. J'abandonne le reste ici. Mes soucis, mes nuits blanches. Si je pouvais te laisser mes chagrins, je t'en ferai cadeau. Tiens, prends ma clé. Quand tu voudras te souvenir de l'époque où vous complotiez contre moi, vous n'aurez qu'à ouvrir ma porte. Vous tirerez sur le tapis et vous verrez. Sur la poussière, vous n'aurez qu'à souffler. J'y ai laissé mon âme. Que veux-tu que les reines à venir fassent de ton âme ? Notre maison en est pleine, érigée sur des tombeaux. Quoi, Madame d'Anjou? Tout ça vous appartient. Voilà des années que je cherche à savoir qui collectionne ces vieux bas, ces vieilles choses, enfin tout ce fourbi. Fourbi? J'en conclus que nullement démonté par l'excès des trombes, vous vous apprêtez fougueuse à regagner la France? Je vois par votre mine combien mon départ vous rend brune. J'ai le cœur brisé de voir que vous partez. Voyons si je n'ai pas de quoi le recoller dans mon fourbi. Je l'enlèverai plutôt du parquet. Nous sommes jeudi. Je voudrais l'empêcher, mais le jeudi, les lois sont strictes. Mais rien ne doit gêner l'élévation des reines. Rassurez-vous, vous n'aurez pas à vous élever sur mon fourbi. J'ose envier votre fortune. Fortune? C'est vieux bas. Par l'ambiguïté du mot fortune, je ne fais allusion qu'à vos forces et votre beau courage. Nous rêvons toutes de partir. L'Angleterre est si grise. Ainsi, dans 8 jours, vous aurez reconquis la France. La Chine.
La Chine? Mais que ferez-vous en Chine? Continuez de vous haïr. Je veux voir jusqu'où le mépris peut aller quand on l'emporte au loin. Et le trône? Difficile à dire. Le quoi? Le trône. Le trône? Mais quel trône? Celui du samouraï. Enfin quoi, je suppose qu'il s'assied quelque part. Là où vous allez, n'y a-t-il pas toujours un trône à usurper? Ils ont de vraies familles là-bas. Plus vigilantes que les nôtres? La Chine est sous bonne garde. Et les reines en oisiveté? Les impératrices déchues ont de quoi manger auprès des mandarins. Tout autant que les sœurs dissolues par la corruption. Autant que les intruses. Adieu donc, et pour toujours. Enfin, je dis toujours, c'est bien mal mesurer le temps. Nous verrons par la longueur de votre absence jusqu'où va le principe. Il n'ira nulle part, tandis que moi j'irai loin. Je vous redis donc adieu, et vous promets de penser à vous quand j'en aurai le répit parmi les tracas du règne qui m'attend. Quoi, déjà 2 heures? Je cours m'habiller. Rendez-moi ce gant de chamois, il m'appartient! Pas le gant de la reine Elinor pour talons 12! Ça fait des jours que je le cherche! Allez, rendez-le-moi! Il fait partie de l'héritage des Warwick! La preuve? N'y a-t-il pas un petit double V de broté à l'intérieur? Attendez! Il n'y a qu'en France qu'on trouve ce point d'ornement. Il ne ressemble en rien au gant de fabrique! Ce gant m'appartient! Le double V, où est-il? Montrez-le-moi! Attendez, il y en avait un sur l'autre. Je cours le chercher! Et pourquoi pas mes muscles? Et pourquoi pas mon brevet d'accession tant que vous y êtes? Et pourquoi pas tout mon bagage? Vous m'avez tout pris. Mes joies, ma dignité, mon insouciance d'autrefois. Et à présent, vous m'arrachez mes souvenirs. Adieu. Je pars en emportant plus d'offenses qu'aucune d'entre elles ne serait capable d'en subir. Laisse-les-moi. Pense au chagrin d'Elisabeth. Tu n'auras pas fait 3 pas qu'ils seront morts de froid. Je suis le vent qui les emporte. Alors tu considères l'échange et tu choisis toi-même. Ou je pars avec eux et promets de ne jamais revenir, ou je te les laisse et te côtoie jusqu'à ta mort. C'est engagé pour peu de temps. Je voudrais tant que tu sois déjà loin de notre île et que s'il n'y avait pas un restant de cœur en moi, je te dirais de partir avec eux pour toujours. Tu ne m'as donc jamais aimée, Cécile. Va-t'en! Dis-moi de rester et je reste. Cette journée a déjà commencé de nous voir disparaître. Londres s'est engouffrée. Nos enfants nous quittent pour l'Asie. Édouard s'en va sous terre. Et le monde se résorbe pour ne plus représenter qu'un point de dentelle invisible dans l'infini. Va-t'en! N'attends pas que je sois morte pour me quitter! Adieu donc. Ne les nourris que de tendresse. Tu ne m'as jamais aimée, Cécile. Adieu. Adieu. Ne les nourris que de tendresse. Ne les nourris que de tendresse. Oui, avant que tout s'effondre, cette journée nous aura permis de tout voir et de tout entendre.
Nos murs s'effritent sous l'emprise du gel. Nous ne savons plus si c'est le jour ou la nuit. Le roi s'écroule et l'univers avec lui. Notre maison est à la merci de ces intruses de Warwick. Et j'entends ma mère qui dit le mot tendresse. Ai-je bien entendu? Tendresse dans la bouche de ma mère? Regarde-moi. Regarde-moi et redis-le. Je ne te connais pas. Tu as parcouru le monde et comme personne ne t'a voulu, tu as trouvé refuge ici, dans la ville de Londres. Vois ce qu'il en a dit. Elle s'efface du globe. Mais toi et moi, nous restons. Impérissables que nous sommes. 100 ans. Et tu t'acharnes à vivre. Par audace? Ou par peur? S'il fallait que morte tu nous entendes, Georges et moi. Tu es née hors de nos domaines. Et tu ignores qui est Georges. Le plus accompli de mes enfants, mais atteint un an d'une panne de jugement, le privant à jamais de la parole. On m'a parlé aussi d'une fille parmi ses frères. Je t'entends souvent répondre à ceux qui s'en informent des histoires extravagantes. Il te faut des heures pour expliquer que cet enfant-là n'est jamais né. Une que j'ai désirée. Mais en chair, elle n'est jamais née. Cet enfant dont on t'a parlé doit être Anne Dexter, mais en réalité, c'était une Espagnole qui mentait sur ses origines en se faisant passer pour ma fille. T'a-t-on dit qu'elle était manchotte? Oui. Et que l'extrémité de ses bras était restée dans ton cœur. Tu as expédié par le manche un outil imparfait dans le monde. Et Anne, vagabonde, éperdument, comme les souvenirs en toi. J'ai pourtant beau chercher. Je ne vois pas qui c'est. Un garçon, je dirais Richard. Mais Anne? Anne est le nom d'une enfant qui n'existe pas. Alors il faut le demander à Georges, vite, avant qu'il meure. Encore que les sœurs de Warwick en parlent comme s'il était déjà assassiné. Et oui, alors il faut lui demander qui est Anne. À quoi bon, puisqu'il est muet? Il suffirait qu'il m'entende. Tais-toi! Il s'est enfermé dans le silence et moi seule pourrais l'en sortir. Toi seule? Oui, il parlerait si moi je le voulais. Toi? Oui, moi! Il aurait l'élan et la force d'un arbre? Et de surcroît il te parlerait? Ma mère a engendré la lumière et elle la cache. Le soleil de midi t'aveuglait. Tu préférais le crépuscule. Mais même à la nuit tombante, Georges continue de t'éblouir. Et tu n'en peux plus de me voir culminer. Tu ne peux pas culminer, car tu n'es pas une étoile. Mais j'en ai la clarté. Ma tête est embrasée par un millier d'étoiles, mortes plusieurs fois, mais lumineuses. Je compte à présent déverser sur toi tous les torrents que j'ai ici. Regarde ma bouche. Tu m'as ordonné de me taire. Vois, je suis honnête. M'as-tu jamais vu adresser la parole aux autres? Mais seul devant toi, je peux parler. Tais-toi! Et comment pourrais-tu me l'interdire? Gare à toi! Gare à la duchesse! Ce que je suis rempli de mots, rempli de questions, rempli de dis-moi qui est Anne, rempli de dis-moi qui est Georges, si l'on te disait qu'il est mort. Il vit! Il vit! Il vit! Il vit! Puisqu'il parle! Il parle si toi, tu le veux. Et qu'est-ce qu'il te dit? Des râlements? Des cris? Des sons mis bout à bout? Des mots qui n'ont de place en aucun dictionnaire? Bien des mots qu'il emploie peuvent être compris. Ah, un érudit!
m'étonnerais-je? Georges était une sphère d'amour, et je régnais dans son cœur. Oh, ce devait être souffrant pour toi de t'incliner devant sa reine, et tu regardais mes mains, en cherchant gauche ou droite, laquelle caressait le mieux les cheveux sacrés de Georges. Il te semblait revoir des choses que tu n'avais jamais vues. Et je sais que tu t'es rendu plus d'une fois sur l'estuaire, afin de donner de la lucidité à ta mémoire effilochée comme des péninsules, et pour discerner dans le sable des empreintes que les marées, malgré un nombre incalculable de lunaisons, n'auraient pas dû effacer. Et tu as cherché. Des traces te sont devenues visibles. Elles étaient anciennes. Tu les voyais tous. Gens sans terre, gens sans herbage, sans champ, gens sans chagrin, et le beau roi Jean, leur maîtresse, leur joie et leur minute d'oubli. Mais pas de traces d'Anne ni de Georges. C'était trop antique. C'était avant le temps. Tu as compris que nous avions été là d'abord et que le monde était venu ensuite. Tu n'étais que notre mère, mais engendrée après nous. Georges et Anne s'aimaient et se disaient leurs espoirs ouvertement devant toi, devant la Tamise et devant le monde. Oui, nous nous aimions. Au commencement, tu nous regardais. Tu nous voyais à table. Nous étions côte à côte. Tu nous regardais sans comprendre, mais d'un œil pacifique, presque bienveillant. Tu étais ému de nous voir heureux. Souviens-toi, au commencement, tu éduquais Richard en nous désignant Georges et moi. Qui mieux que nous pouvait illustrer la paix dans notre maison? Et pourtant, au bout de 6 mois, cette paix avait assez duré dans ta tête, remplie de suspicions. Il te fallait comprendre, mettre au jour une chose inconnue qui prenait de plus en plus l'apparence d'un mystère. Tu disais parfois, comment se fait-il que leurs vêtements sentent toujours la marée basse? Tu t'es mise à nous épier, à interroger les autres. N'avez-vous jamais remarqué qu'ils sont toujours ensemble? Dites-moi, depuis quand? Bientôt la question devint un ordre. Et les gens de notre maison furent obligés de rapporter chacun de nos gestes et chacune de nos paroles. Puis vint ce jour où tu reçus la visite des pèlerins. On aurait dit un troupeau de petites bêtes affamées auxquelles tu jetais des miettes en échange de leur racontard. Ce jour-là t'avait coûté cher. Et tu avais dit par la suite que l'Angleterre ne pouvait se permettre d'accueillir davantage ces étrangers, de peur que la misère devienne contagieuse. Vite, tu t'es mise à ma recherche. Où est-elle? Trouvez-la! Je sais qu'ils sont ensemble. Il faut les séparer. Que lui soit jeté à la cave. Et qu'elle, on la brûle. Non. Pas tout de suite. Qu'elle vive sa punition, qu'on la stigmatise, qu'elle soit défigurée. Non, attendez, c'est une plante à genêts. Je ne veux pas que l'on touche à son visage. Tenez, je serai clémente. Nous demanderons à Richard de lui couper les mains. Quand tu m'as vue, quand tu as jugé que je n'avais pas encore assez souffert, ce rêve que tu nourrissais de n'avoir jamais mis au monde cet enfant qui prenait ta place. Oui, ce rêve est devenu enfin réalité. Anne, désormais, va se taire. Anne, désormais, n'est plus Anne. Mais tu refais l'univers. Pourquoi
tout à coup calomnier la pureté des miens. On ne te connaît que de vue. Parce que la pureté est en train de mourir, noyée au fond d'un tonneau. Cette maison n'est plus qu'un entonnoir où tout se mélange et s'écoule dans la bouche pourrie de la mort. Au même rythme qu'Édouard, qui agonise depuis sa naissance. Et au même rythme que Georges, qui doit se demander chaque matin par quel défaut du sort il se trouve toujours en vie. Mais au lieu de bondir de joie, il se tait. Il se tait non pas parce que tu es là, non pas prisonnier de toi, non pas parce que tu lui apparais et que tu le maintiens dans le silence. Non, il a cessé de parler le jour où tu m'as ordonné de me taire. Et pour expliquer son silence à lui, tu as menti à la face du monde. Tantôt, tu fais croire qu'il est muet. Tantôt, tu prétends qu'il ne te parle à toi, seulement quand tu le veux. Alors qu'il n'est plus jamais sorti un seul son de sa bouche, à partir du jour où tu as dit « Anne, désormais va se taire ». Tu voulais empêcher tes enfants de vivre. Vois comment, en ce faisant, ce sont eux qui t'empêchent de mourir. Vous n'empêchez rien, puisque vous n'empêchez pas le monde. Les enfants ne constituent ni l'axe, ni la rotation du monde. Je te parle du monde dont la seule vérité, moi, Cécile d'Angleterre, va bientôt disparaître. D'ici peu, rien de ce qu'on voit, rien n'aura plus raison d'être. J'aurai enfin accédé à la constitution de l'univers. Et qui portera le deuil d'une épave sur ce parquet? Et toi? Et Georges, mis en terre? Les sœurs de Warwick? La reine Élisabeth, pleurant la perte des orphelins? Ou bien la reine d'Anjou, morte, écroulée de rire? Vois comme tes 100 ans tomberont vite dans l'oubli. À défaut d'avoir mis au monde une sœur pour tes fils, une fille qui peut-être aurait pu regretter sa mère. Pas si toutes les larmes de son corps vont vers Georges! Quand tu aurais tout transformé, y compris mon cœur, en un amas de silence et d'oubli, je n'en continuerai pas moins de te demander qui est Anne. Anne? Anne Scroop? Anne Smith? Anne Francoeur? Anne Clifford? Anne Maxwell? Anne qui? Nos régions en sont pleines. C'est une tradition dans les familles de donner ce nom aux enfants qui ne naîtront pas. Il me fallait consigner ton absence. Et quand j'ai appris que tu ne viendrais pas au monde, j'ai avisé les miens qu'il faudrait t'appeler Anne. Comment nous comprendre autrement dans tout ce rien que tu constituais? Qui est Anne? Une que j'ai désirée. Et Dieu sait si je l'ai appelée. Mon petit cœur devenait immense quand je l'invoquais. J'allais jusqu'à la menacer pour qu'elle naisse. Je lui promettais tout ce qu'elle désirerait. Mais rien n'y faisait. Elle n'était pas en moi. Dans l'au-delà, peut-être. Non. Elle n'était nulle part. Il suffisait que ce nulle part devienne un lieu pour qu'elle n'y soit pas. Va! Va! Va leur demander! Les Woodville te le diront. Va demander aux agriculteurs. Je te permettrai de parler une heure avec eux. Nous dirons que ta voix t'est revenue subitement. Le temps qu'il te faudra pour bien comprendre qu'Anne, une fois pour toutes, n'est rien. Quand d'autres le diront, et d'autres encore, sans nulle contradiction,
alors peut-être en viendras-tu à concevoir la force implacable d'une réalité qui te l'est en nom, mais pas celle qui le porte. Qui est Anne? Dis-toi qu'elle est à notre langue ce que zéro est à nos nombres. Qui est Anne? Tu poses la question? Je te redis la réponse. Anne n'est rien. Aussi vrai que tu existes, aussi vrai que tu es devant mes yeux, Anne n'est rien. Rien. Nothing. Qui est Anne? Misère! Deux fois misère! Je vais me rendre à sept. Toujours qui? Semeuse de qui? Que veux-tu donc entendre? Que Georges n'est qu'amour? Non. Il n'est que silence, bel inconnu au milieu de Londres. Et te voir écarté de nous est au milieu de mes désirs. Mais en ce moment, à qui parles-tu? À moi-même, belle étrangère. Je me dis tout pour que tu me comprennes. Qu'aurais-tu répondu à ta mère si elle t'avait prise pour une étrangère? Malice ou jalousie dans ton cœur? Parce que tu es malheureuse, tu aurais souhaité que je le fusse. Toi, preuve vivante de ta mère, qu'aurais-tu dit? Elle avait plusieurs enfants et t'incluait dans leur nombre. Et lorsqu'à ton tour tu as eu des enfants, tu les as d'abord aimés. J'ai gardé, moi, le souvenir de cette femme qui a été ma mère. Elle était belle. Mère en reconnaissance d'enfants. Mère en bon agir, en pleurs, au premier jour de son veuvage, puis intrépide, d'un noir à cheval, scindant de les étangs, les forêts et les lacs, puis attentive à cet enfant qui allait devenir roi, lui dictant déjà son gouvernement de jour, de nuit, les affaires d'État, le commerce et les arrivages, sans jamais oublier ses autres enfants, dont j'étais moi. Anne, à qui elle pensait au milieu de mille tracas politiques, à qui elle avait donné ses caresses, enseigné à boire et à manger, à se tenir droite et courtoise, à saluer un genou en terre et à considérer ses frères. Cette femme mérite notre compassion. Dommage qu'il t'ait abandonné et que tu sois obligé d'errer comme les Espagnols. Quant à moi, je suis épuisée de t'entendre. Et je verrai à te trouver un endroit moins encombré quand le climat de cette maison se sera enfin apaisé. Comment oses-tu parler de paix dans toute cette confusion qui règne? A-t-on retrouvé mes enfants, noble duchesse? A-t-on retrouvé ces enfants? Regarde qui nous apparaît, échevelé, mais digne, et qui proclame à voix haute qu'elle cherche ses enfants. Ces choses-là se peuvent. Mais gare à toi, Élisabeth. Gare à ce que tu leur donnes. Tes enfants sont ta famille. Il ne faut pas les aimer. Car leur donner de la tendresse les incitera à s'aimer l'un et l'autre. Et s'ils en deviennent capables, ils se verront comme moi, soumis au silence, leur tête remplie de questions qu'ils auront beau entendre et réentendre au fond d'eux-mêmes, et que tu auras beau entendre et réentendre au fond de toi, mais qui de nulle part ne feront d'écho à cause d'un châtiment que tu voudras leur infliger. Une insulte ? Elle n'a rien dit. A-t-on retrouvé mes enfants ? Tes enfants nous ont quittés pour des régions lointaines. Où sont-ils? En route vers l'Asie. L'Asie? Oui, l'Asie, l'Asie de nos songes. Vénérable duchesse, chaque minute qui s'écoule menace d'emporter mon roi et de me plonger dans une désolation que rien ne pourra réparer. Et vous me parlez de l'Asie de vos songes? Où sont mes enfants? Elle les cherche, elle insiste. Elle n'entrevoit pas le bonheur autrement qu'avec ses enfants. Ma pauvre Élisabeth,
Jusqu'à quand ton amour a-t-il duré? Car si ton instinct cherche tes enfants, comme l'instinct de tes lévriers cherche un os à gruger, tu as beau les chercher maintenant, les chercheras-tu plus tard? Mais voyez comme tu me rends folle! À l'extérieur là devant moi, je jurerai que je l'entends! Fiction, majesté! Elle est muette! Qu'est-ce que ça me dit? Alors donnez-lui de se taire! Qu'avez-vous fait du roi, majesté? Mais je l'en ai fait mon époux! Il se meurt au palais et vous descendez aux entrepôts. Il n'est pas politique de laisser mes enfants à la cave. L'humidité des pierres risque de nuire à leurs poumons. Leurs poumons? Oui, les poumons! Là où on a le souffle! Et je veux changer de jour, ne pouvons pas changer de lieu. Demeurez, majesté! Et vous demeurez? Moi, je descends. Mais votre santé? Songez que l'humidité des pierres... Vous dites? Je dis que l'humidité des pierres... Êtes-vous la reine d'Angleterre? Êtes-vous la reine d'Angleterre? Non, majesté. Alors demeurez! Nous nous reverrons, j'espère. Dommage que vous soyez muette. Nous aurions conversé, vous et moi. À 4 heures, tenez, je vous attendrai ici. Ces jours d'élévation dans ce parquet, les reines en ont instauré l'usage. Vos louanges seraient les bienvenues. Qui sait, vous parlerez peut-être. Certains dons viennent tard. Oui, vous parlerez si moi, je le permets. Voilà des années que de ce parquet jusqu'aux entrepôts je descends et puis je remonte et redescends inlassablement en vue d'assurer mon règne pour apprendre aujourd'hui par la bouche de la muette que l'animal que j'ai vu paître aurait pu me parler. Et que vous l'aimez. Vous aimez sa stature et la hauteur de son front, un front guerrier. Et son menton. Le menton des Plantagenets. Oh oui. Vous l'aimez. Pas autant que moi. Qui n'en peut plus de le voir passer ses jours face au gris des pierres, face aux lézards, aux songes creux, à la longueur du roc. Oh, il y a là une rage aux dents qui cherche à mordre à l'intérieur d'un cachot d'autant plus restreint que la fournaise est énorme. Et vous l'avez laissé là, une vie durant, en répétant au monde qu'il parlait volontiers à condition que vous le vouliez. L'une ou l'autre, qu'importe! Quoi, il parle? Si moi je le veux, matin, midi et soir. Oh, oh Dieu, Dieu qu'il était bavard. D'ailleurs, personne ne s'exprimait aussi clairement que lui. Oui, heureux, il rugissait. Malheureux, il jappait. Et lorsqu'ayant passé une heure à récolter mes confidences, le futur roi d'Angleterre se vautrait dans son content d'herbe. J'étais à même d'aller aux écuries pour parler à nos chevaux. Son règne
promettait d'être exaltant pour vous. Qui auriez dirigé notre île en ordonnant au roi tantôt de parler, tantôt de se taire? Vous avez ri, pauvre duchesse. Vous avez beaucoup rêvé. Et moi, j'étais une oie qui ne savait pas grand-chose. Votre fils peut, avec sa voix, nous fabriquer des paroles. Ah, il n'est pas si loin de votre nature. Et moi, je ne suis rien, sinon qu'une épouse à deux pattes parfaite pour descendre. Et je descends, remonte, jusqu'en démesure, affaiblie en vue de puissance. Pendant qu'à mon insu, il vous parle en son état d'humain. Et Anne Dexter, elle aussi. Mais où est sa voix? Où est sa voix que je la fais entendre? C'est comment? C'est aigu. 40 sous. Qu'elle a la voix rauque. Que se disent-ils? Que lui dit l'homme? Que me cache à moi l'animal? À défaut d'avoir des mains, aurait-elle un cœur? Le cœur d'une humaine? À ma foi, il ne me reste plus qu'à trouver son image sur le reflet d'une eau lisse où moi je me mire, de l'écoute et de la retenue. Je vous parle, duchesse, je parle moi, aussi écoutez-moi. Je suis la plus puissante, mais reine, moi. Reine, en devenir et pour longtemps. Reine, épouse de Georges. Règle au centre et le monde alentour pour gérer le commerce et les arrivages, les bâtiments sur la Tamise à moi, les animaux, les produits à moi, la tonte à moi, l'augmentation, l'accélération des marchandises, l'importation des métaux et le parachèvement de l'Angleterre. Oh, vite! Vite en fin de journée pour que demain je m'empare de l'Écosse et que mon continent vibre et que vos réputations flambent, car j'anticipe d'utiliser vos cendres, car elles me serviront à Dieu sait quoi, car tout aura son usage et morte. Vous serez plus utile que vivante, telle que vous êtes, toute repue d'hébétude. Pendant que je parle, moi aussi, j'ai à dire, ici, dans Londres, que je suis venue de la maison de Warwick avec mes deux mains, sans bagues et sans équipage, non! Mes deux mains. Et avec votre sœur, Isabelle Warwick. Votre sœur, cet avorton venu flatter Richard avec une main de miel. Et de l'autre, tuer des innocents. Ah! Quelle vision! Vous me voyez si épouvantée que je cherche en quoi ce que nous vivons n'est pas un rêve. Je marchais à tâtons ayant égaré mon flambeau. Lorsque tout à coup, à la surface d'un tonneau, Anne Warwick? Majesté. Avez-vous vu à la ristourne des arrivages? J'y vais, Majesté. Je vous l'ai demandé il y a une heure. Oui, Majesté. Ah, Anne Warwick, comment va le roi? Il va peu. Oh, quoi qu'il parle. Mmh, et que dit-il? Il teste. Encore? Il aurait oublié quelqu'un. Qui donc?
quelqu'un qui aurait droit au partage. Mais qui? Une certaine Jin Cho, qui serait à Jin-Cho une dame estimée comme du ciel bleu dans Londres. Elle connaît bien les rois. Et les pauvres espèrent en elle. La beauté de ses traits donne à penser qu'elle est reine au sommet d'un empire où les sujets sont des cœurs. Son sourire vaudrait un royaume, à ce qu'on dit. Jin-Cho, la maîtresse des rois! Les simplettes autant que je suis née, pour une journée de belle température. Épouse sans scrupule d'un orfèvre qui l'attend tout le soir et qui la cajole à son retour lorsqu'elle dépose sur le lit qu'elle a royalement trahi tout l'héritage de Woodville. Et celui des Plantagenets, vénérable duchesse. Oh oui, pauvre duchesse, tes avoirs et les miens sont la baruelle forte chez le mari de Jin-Cho, dont il est de torture. Tandis que je cours au chevet d'Edouard, que j'asperge ses tempes et que j'adoucis ses jours. Et que j'engendre pour lui des images édulcorées de l'au-delà, ne plus avoir qu'inventer, au point d'égarer mes enfants et d'oublier qu'ils sont nés. J'étais remontée pour quelque chose. La mort s'est abattue sur nos têtes. Richard a tué Georges. J'ai vu son cœur arraché. J'ai vu ses deux yeux noirs. L'ordonnait-elle qu'il doit paraître en bonne santé. Et que la hideur de Marguerite semblerait détrôner. Georges vit, Majesté. Mais non, Isabelle Warwick. Descendez les marches et vous verrez que Georges a bel et bien été assassiné. Ah, que cela me serve de leçon. Il n'a pas fallu une heure pour que de bouche à oreille mon stratagème fasse le tour du palais. Moi qui étais venue chercher un gant. Et vous n'êtes donc pas descendu voir? Si, Majesté. Du moins, je me suis rendue jusqu'à sa porte et je l'ai fermée de peur que quelqu'un vienne et s'aperçoivent qu'il était en vie. À peine perdu, puisqu'il était déjà mort. Et quelle sera votre douleur? Elle ne sera jamais aussi sentie qu'il y a une heure. À propos de ce gant! Revenez à la raison, il ne me laissez pas seule ici, pitié! Je me sens trop isolée du monde. À qui le blâme? On s'isole parce qu'on l'a voulu. Et qu'est-ce que j'ai voulu? La mort d'Edouard, peut-être? Il n'est pas encore mort, Majesté. Non plus que vos enfants. Où est passée l'espérance? Moi, au lieu d'étaler mes chagrins, je me suis permis d'agir et voyez! Georges va enfin pouvoir régner! Tout un règne, croyez-moi. Je l'ai vu dans le tonneau. Au fond ou à la surface? Grands yeux noirs! Oui, son sang, ses yeux! Vous me répétez tout mot à mot! Descendez, Isabelle Warwick, je vous l'ordonne! Me l'ordonnez! Mais je vous l'arrête pas peut-être! Pas encore. Majesté. Alors, obéissez. Mais ce sont mes enfants! Comme je vous retrouve en mes nuages! Mais comme vos mains sont froides, et vos fronts! Avez-vous vu la petitesse de leurs ongles? Que ma vie fasse jamais demi-tour et me plonge en magie dans l'enfance heureuse. Je vous aime, je vous aime. À moi que je vous sauve. 3 heures déjà? Marguerite, quelle heure est-il? Mais comment tu es ici à Londres? Et ma mère? Et mon père? Ah! Jour d'élévation, j'oubliais. Tenez, vénérable duchesse. Je vous les confie. Emmenez-les dans une chambre aux portes closes et voyez à ce qu'Anne Warwick ne puisse jamais les approcher. Adieu, prince! Anne Warwick n'est pas en Écosse? Non, hélas, elle ne va pas de si tôt quitter Londres. Adieu. Je les emporte si bas que soit leur abri. Leurs yeux feront 4 étoiles en signe de gloire. Tout a disparu.
ce que les rois ont érigé. Il n'y a plus que le donjon de notre tour qui se voit comme le mât d'un vieux navire égaré au milieu d'un cercle. Il n'y a plus de terre, plus d'eau, plus d'horizon. Et c'est ainsi que je désirais voir, au maleste des vents qui nous entrent au fond de la guerre, c'est encore éloigné de nous-mêmes. Si bien que me revoici. Rescapé des vents, des neiges et des steppes. Au commencement, j'ai pris la mer. Elle était agitée, mais moins tourmentée que moi. Si bien qu'au bout d'une heure ou deux, ou peut-être au bout d'un mois, car vivre est ardu, je débarquais au pied d'immenses falaises. Les falaises de Russie. Soudain, j'ai cru que des enfants allaient s'arrêter de vivre. Aussi, j'ai fait volte-face pour les protéger des bourrasques. Puis, donc, contre le vent, je me mis à reculer, hâtive, en direction de l'Orient. Mais il y eut ce jour-là, je ne sais combien de tourbillons, où je fis trop de fois demi-tour. Je vis des Chypriotes, des Turcs, des esclaves africains. Chaque peuplade m'indiquait la route de Chine. Mais tout l'était comme mensonge. Car, persuadé que l'Asie se dressait dans mon dos, c'est vers Londres, je le vois bien, que je reculais. Londres. Londres. Mais pourquoi tant hésiter quand vient le rêve de s'en éloigner? C'est le globe, pourtant, qui s'efface de nous-mêmes. Si bien que, disparate, non anglaise, en discorde, mais qu'importe, hydroméduse ou pécore, je vous reconnaisse. Vous me reconnaissez? Égal. Si vous pouviez, mon obscure dignité, par compassion, rétablir. Par où Richard entre-t-il d'habitude? Par ici, pourquoi cette question? Il n'existe donc qu'un moyen de creuser un trou et de ramper vers les entrepôts. Oh, ce moyen-là n'est pas très noble! Ah, peut-être. Vous rêvez sans doute que Richard rampe à votre pied? Oui, peut-être. Ah, peut-être, oui, peut-être. Seriez-vous peut-être compromise? Écoutez, Majesté. Écoutez. Les cloches de l'abbaye sonnent le glas. Oh, mais toi, mon Dieu! Fini l'ornement? Qu'un désert excessif règne sur ma tête? Madame Woodville, était-ce vos enfants que j'ai vus dans les bras de la duchesse? Oui, peut-être. Pourquoi les lui avoir donnés? Pour les protéger de votre ambition, Anne Warwick. De votre famélique hydrocéphale. Vous avez eu, il me semble, un époux qui est devenu roi et deux enfants de ce roi. S'il manquait quelque chose à votre bonheur, ce devait être vous-même qui vous le dérobiez. Oh, c'est de sarcasme! Déjà que je ne les supporterais pas si la vie m'avait donné un certain bonheur à régner. Mais j'ai payé pour avoir ce qui m'ôtait l'insouciance. Et je paye encore pour endurer le souci de tout perdre. Vous n'avez pas peur, Anne Warwick, que votre supériorité ne vous donne le vertige? J'espère au moins que vous vous connaissez vous-même. Ma sœur de Warwick vous dirait qu'à mon âge, tout ça... Oh, vous me mentez sur votre âge. Qu'à mon âge... 12 ans. La connaissance aussi entre le connu et le méconnu. Ah, c'était vous, votre sœur. Regardez-la, votre sœur, qui se croyait plus arrivée que nous. Pourquoi n'allez-vous pas la soulager de ses chagrins?
De pires chagrins sont à venir. Nommez-les. Je ne peux pas les nommer tous. Mais ce que vous savez. Richard. Richard. Il m'a demandé... Demandez quoi? D'aller lui porter vos enfants pour qu'il les tue. Je l'ai fait. Oh non, Anne Warwick. Vous mentez. Non. Non. Comment vous croire? Vous n'avez pas pu arracher mes enfants des bras de la duchesse. Elle me les a confiés, Majesté. Oh, elle est si confuse. Vous mentez. Vous fabulez. Ma sœur non plus ne croyait pas que Georges était mort assassiné. Maintenant, il faut voir vos enfants comme s'ils n'étaient plus que des légendes. C'est notre existence. Ou la leur. Mais la leur? La leur à tout prix! Tenez, prenez ce que j'ai, tout ce que vous voudrez. Le nez d'Edouard, mes parures, mes serres, mes livriers! Téméraire, vif, inestimable! Ces dogues aériens, si voluptueux quand leurs yeux nous regardent, qu'on croirait voir se déployer un mensonge. Ils s'élancent entre les forêts fendent de la brume. Ils sont plus miroitants que des étoiles en Irlande. Oh, j'ai dans un coffret là-haut, des perles de la mer. Certaines proviennent de la lune, elles influencent nos larmes. Je vous les donne, prenez-les à Warwick. Je possède des trésors inconnus de tous les peuples de la terre. J'ai pour vous des oiseaux. On ne les a jamais vus dans le ciel. Je cultive dans mes étangs des poissons. Leurs nageoires sont des filaments d'or. Oh, j'ai des cailloux, Anne Warwick. Des cailloux purs. Vous n'aurez qu'à les consulter pour prédire les fléaux, les feux, les ravages, les anéantissements. Mes talismans, je vous les donne. Ce dont vous n'avez jamais osé rêver. Les secrets que vous ne pouvez vous révéler à vous-même, je les possède et ils sont à vous. Des outils de bronze ou des poudres qui créent la couleur. Des instruments qui nous enseignent à sonder les sous-sols de la Tamise. J'ai des vérités que je suis seule à connaître. Qui peuvent influencer nos ennemis. Mais je suis prête à tout exposer, tout exposer sous vos yeux, mais rendez-moi les enfants. Ce que vous étiez et ce que vous aviez m'appartient. Sauf deux enfants, âgés de quelques heures fictives, engendrés par les intempéries de votre imagination. Il faut les demander à Richard! Mais écoutez, Majesté, écoutez. Votre ennemi, le vent, vous appelle. Oh, Edouard, courez dire à Richard! Mais non, attendez. Ils sont en route vers l'Asie. Vous n'avez pas pu. Vous n'étiez pas en loi. De quel droit, Warwick? Vous devriez les ressusciter. Va. Cours dire à Richard qu'ils ont déjà tué Georges. Déjà? Quoi, vous l'apprenez? Mais pourquoi ne pas me l'avoir demandé? Cela fait 24 heures. 24 heures, que dis-je? 2 jours, 2 semaines, 2 mois, 2 ans, 2 siècles que je le vois gésir dans son tonneau. C'est une histoire ancienne dont j'avais déjà cessé de me réjouir, tant j'étais impatiente de voir pendant combien de temps son frère Édouard allait lui survivre. Édouard, notre souverain, notre seigneur et notre tout.
notre roi Édouard est enfin mort. Oh, que ce fut une mort lente. J'ai le temps de me rendre en Russie et de revenir dans Londres tandis qu'il rendait son dernier soupir. Debout, Élisabeth. Debout, Isabelle. Écoutez. Écoutez. Ce n'est déjà plus le glas qui sonne. C'est le carillon de l'horloge. 4 heures. L'heure de l'élévation. Donc je proclame aujourd'hui l'ouverture. En ce jeudi 20 janvier de l'an 1483. Montons. Il n'est de plus pur carillon que le bruit de nos perles. Ta toilette sied à ta puissance, Élisabeth. Que d'or, Isabelle, toute drapée de feu. Quant à votre chair, ce parfum de jeudi me fait mourir d'ivresse. Voici la nuit. Le mal des jours va se changer en bien. Je vais ressurgir en vous, petit enfant suprême, car je suis une harpe. Et vous en êtes les cordes. Un noir, oui. Ma beauté pure. Es-tu bien dans l'ombre? Vois qui je suis. Vois nos naissances. Qui nous sommes. Je suis l'épouse du roi Richard III. Sa majesté. La reine Anne d'Angleterre. Madame Woodville, avez-vous vu à la ristourne des arrivages? Dieu sauve la reine et me sauve, Cécile de Londres. Anne, avant que je meure, que par toi l'impossible se puisse. Quoi, l'impossible déjà? Prête-moi ta couronne. Elle m'appartient. Prête-la-moi. J'ai fait quantité d'exploits pour éprouver sa pesanteur. Je la voudrais 10 secondes. 10 secondes est bien peu. J'ai donné le monde à Richard. Et je quitte la vie. Anne! Je t'en supplie, conçois le mal d'avoir vécu 100 ans. Conçois qu'à l'arrivée, tu diras, ma vie déjà déroulée. 10 secondes est bien peu, mais 1 siècle n'est rien. Je voudrais l'illusion pour marquer mon départ, d'avoir été et d'être moi aussi reine de cet empire. Régner si peu de temps vaut-il la peine? Anne, je t'en supplie. Vois, je m'abaisse. Faut-il que je mette mes 2 vieux genoux par terre? Mais le mensonge... Notre vie sur terre est un mensonge, lambeau que nous sommes. Merci. Si vous le voulez, je peux vous la prêter encore quelques instants. Ce serait de l'usurper trop longtemps. J'ai régné 10 secondes. Et j'ai vu ce que je voulais voir.
Je me suis élevée sur le sort pitoyable du monde. Et j'ai eu le sentiment, bref, de pouvoir le corriger. Dressée au point de trouver mon siècle minuscule, de lui parler pour ce qu'il vaut et ce que ses enfants vaudront. Mon destin m'a permis de régner avant de mourir, afin de voir de mes yeux qui ont presque 100 ans qu'il n'y a plus rien derrière, que tout est devant. Ma vie s'achève et l'Occident commence. L'univers était prisonnier de mon souffle. J'expire à présent et le libère. Les cerfs, les lévriers, les oiseaux et les biches, la lune, oh la merveille de luire.